Et ouais, sur les cagnons négros, en barque, ça déchire. Un oiseau. Balade à SNES. Bon, je pense qu'il va pleuvoir, mais bon. Faire avec, hein. Thank you. Thank you, détendu. Moi, j'aimerais bien vous montrer quelques petits oiseaux qu'on a l'habitude de voir par ici. Je suis supposé partir demain, mais je pense que je vais encore rester quelques jours. Ah. Habitué des lieux. Ça fait un peu Ushuaïa quand même, hein, non? En tout cas, c'est cool. Ça me dérange pas de faire le Nicolas Hulot pour le moment. C'est bien cool, bien chill. Poule d'eau là. Comment ils appellent ça? Putain, la caméra, c'est chaud. Pas qu'elle trouve non plus. Super espèces de martin pêcheur ici. C'est débloqué. Faut que je vous montre ça aussi. On est dans un petit passage un peu plus étroit là. Oh, putain. Fly catcher. Les oiseaux qui s'attrapent les insectes. Pff, ils sont à 2 mètres, c'est un truc de fou. Les oiseaux ont vraiment pas peur par ici, c'est incroyable. Un paradis pour les ornithos, c'est clair quoi. Pas de problème. Là. Jaune, je sais pas si vous l'avez vu, il y en a plusieurs même. Oh, les chiens, ils sont trop beaux ces oiseaux. Et bah, c'est les oiseaux les plus communs quasi du Costa Rica. Enfin, avec les sopilotes, des grands vautours qui doivent faire au moins 3 mètres d'envergure, qui se baladent au-dessus des villes, au-dessus des bleds, au-dessus des forêts. Et ils sont partout, mais en grand nombre aussi. Bon, j'aurais voulu vous donner des explications un peu plus techniques. Mais bon, je ne suis pas un scientifique, hein, malheureusement. Bon, voilà, c'est le canyon Negro. Bon, bah, hier, il faisait plus beau. Hein. Ça, c'est à la chance. Ce matin aussi, je me suis levé super tôt. Il est méga beau. C'est trop la classe. Il y avait plus d'oiseaux aussi. Bon, désolé pour avoir filmé comme un bleu, mais bon, il y a un nez qui vient de se poser là, quoi. Donc on va déjà essayer de faire un petit zoom et puis on va essayer de se rapprocher. Je me dirige donc vers l'aigle. Comme vous pouvez le voir, il est en haut de la branche là. Bon, désolé pour les pagaies qui passent devant, mais j'ai la caméra entre les jambes. Il va aller tranquillos. Bon. Ouais, je pense que je me suis déjà bien rapproché. Là, je dois être à 10 mètres. Je sais que ça paraît pas autant sur la caméra. Super bel oiseau. Impressionnant. Voilà, la taille d'une buse. Peut-être un peu plus grand.